Bonjour à tous, ça y est, je suis revenue de mon petit week-end de soleil. Nous sommes lundi 26 septembre 2022, c'est parti pour une vidéo à Lidl de Valenton. Quelque chose qui pourrait être d'actualité, du coup, les doudounes légères femmes. Elles sont à 15,99€, capuche, poche déperlante. Au niveau des tailles, je pense qu'il y a S, M, L. Donc il y a du gris. Il y a du marron. Alors celle-ci par contre n'a pas de capuche. Donc regardez bien si vous vouliez une capuche. Bleu. Et je vois qu'il y a une autre couleur. Non, c'est pour homme. Donc c'est les trois couleurs pour femmes. Ah non, il y a du noir. Alors le noir. En plus le noir, il y a une capuche. Donc il y a quatre couleurs pour la femme. Et pour homme. On a du... Ah non, c'est sans manche pour homme. Doudoune légère sans manche. Mais il y en a aussi pour femme sans manche. Donc 12,99€ la doudoune sans manche. Donc il y a bleu, noir. Il reste bleu, noir et il y a du vert aussi comme ça. Donc les doudounes manches pour femme, le même prix, mais il y a du noir. Il y a bleu, réversible. Alors je vois qu'il y a deux prix, mais j'arrive pas à voir la différence de doudoune. Il y a une doudoune qui est à 18,99€. Et il y a cette couleur, réversible. Ça y est, j'ai trouvé. Je me disais aussi, donc 18,99€. Alors c'est génial, cette année, ils ont des doudounes longues. J'aime bien, moi, les doudounes longues. Mais c'est vrai que fines comme ça, bah, on n'en trouve pas forcément chez Lidl. Bah, cette année, il y a gris. Il doit y avoir noir. Non, celle-ci, elle est courte. Et noire, elle est là. Donc avec capuche et manche. Ensuite, il y a doudoune pour les enfants. 11,99€. Il y a bleu. Il y a gris. Il y a rouge. Donc rouge avec de l'argenté, donc pour filles. Donc pareil, avec capuche et manche. Il y en a une qui est ouverte. Et ben voilà. Donc les caleçons à partir du 6-8 ans jusqu'au 12-14 ans. 4,99€. Ponceuse multi-support, 59,99€. C'est celle-ci. Poste à souder inverté à fil fourré, 99,99€. Les gants de travail, 3,99€. On a les crochets au support. Donc pour tuyaux, celui-là. On a les crochets pour mettre les planches, les vélos, tout ce qui est outils de jardinage. 3,99€. Aimant plateau, 3,99€. Donc on a le lot de deux, petit comme ça ou le plus grand. Fil fourré pour le poste à souder, 99,99€. Je pense que j'irai faire un tour dans les doudounes après, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde là, tiens, pour les doudounes. Vernis, 2,99€. Donc il y a noir et transparent, et puis blanc. Ah bah voilà, vernis pour radiateur. Vernis 2 en 1 avec l'après. Alors la dernière fois, j'ai discuté avec une amie qui justement a repeint ses radiateurs et je lui ai dit, oh, c'est dommage parce que habituellement Lidl fait des sprays et bah, c'est le moment, puisqu'avant d'allumer les radiateurs, parce qu'après ils vont être chauds et ça sera impossible de les repeindre. 7 de ligne d'atelier, 14,99€. Donc il y a 16 pièces, 17 avec l'étude rangement. Pince étau, 6,99€. Les trois. Accessoires, 13,99€. C'est des accessoires pour la perceuse meuleuse de précision. Le set de brosse métallique, 4,99€.
spray de protection pour soudure, 2,99€. Spray d'aide à la soudure, pareil, 2,99€. Le set de tournevis, 4,99€. Il y a 8 pièces. Les spatules, on a celle-ci, 2,49€ les 3. Et on a aussi cela. Spatule japonaise. Et on a la grande. Il y en a deux, ça c'est pour le carrelage, il me semble. La meuleuse d'angle, 46,99€. Les assortiments de petites pièces, 2,99€. C'est des assortiments de vis sans tête. On a les écrous papillons. Donc voilà. Et les aspirateurs, cette fois-ci, c'est les plus petits. Donc aspirateur eau et poussière à 39,99€. Alors tiens, ils ont mis les coussins pour chiens. Je pense que quand il y a eu l'arrivage, il n'y en avait pas en rayon. Ils sont à 15€. Une face hiver, une face été. Les positionneurs d'angle, 5,99€. Ah, ils sont magnétiques. Hop. On a ceux-là et aimant double. C'est compliqué quand c'est des aimants. Hop. Je refais un tour dans les doudounes parce que j'ai l'impression que j'ai un peu mélangé. Je me suis un peu mélangé les pattes, mais je vous ai dit, alors ce matin il y a dû avoir beaucoup beaucoup de monde pour les doudounes parce que c'est un peu beaucoup mélangé. Il y a les longues chez la femme à 18,99€. On a gris. J'ai vu gris, noir et marron. Par contre, attention parce que selon la taille, on a capuche ou pas. Après, on a les plus courtes à 15,99€. Donc, on a du bleu, du gris et du noir. J'ai vu du noir. Elle est là. Et puis après, on a les sans manches à 12,99€. Alors, celles-ci, elles sont pas brillantes. Les plus courtes, elles sont brillantes. Donc, il y a du noir. Il y a cette couleur, du marron. Et après, chez les hommes, on a les sans manches à 12,99€. Puis après, on a avec manches, donc elles sont à 15,99€. Donc on a bleu comme ça. J'ai vu tout à l'heure, quelqu'un en essayait une, bleu foncé comme ça. Du coup, j'ai lu un peu les commentaires, vous m'avez demandé s'il restait encore des cafetières. En tout cas, ici, il y en a. Par contre, attention, elles ne vont pas sur l'induction. Elles sont à 11,89€, donc il reste du vert, orange et jaune. C'est pour faire 2 ou 3 tasses. Il reste encore des autocuiseurs à 44,99€. Tiens, 6 petits prix sur les sets de loisirs créatifs à 3,29€. Alors, je vous dis, hein, quand vous êtes dans votre Lidl, n'hésitez pas à faire le tour de ces bacs-là. Et de chercher les étiquettes orange parce que des fois on fait des très très bonnes affaires. Donc les gommes, 50 centimes, les feuilles millimétrées, 63 centimes. Ça peut être intéressant d'avoir peut-être les cartouches, un peu de cartouches de réserve, 1,43€. Les blindères avec fonction cuisson, 51,99€. Il reste encore des machines à expresso à 99€. Alors celle-ci, c'est le nouveau modèle, c'est celles qui sont slim. Et donc il y a toujours la petite buse hein, pour réchauffer votre eau, faire des petites, de la crème pour vos cafés crème, cappuccino, mochaccino. 99€. Les blindères à chauffant, à soupe. Alors la différence avec celui qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, il n'a pas de panier vapeur. Et donc celui-là, vous faire des soupes. Franchement, j'ai que des bons retours. Les seuls retours qui avaient été négatifs, c'est parce que les personnes avaient eu un souci et avaient mis beaucoup trop d'eau dans le blender chauffant. Donc du coup, à un moment, ça bip et forcément, le blender s'arrête. Donc celui-là, vous allez mettre votre eau, donc bien respecter la limite.
et vous allez mettre vos morceaux de légumes en morceaux, et lui va vous les cuire, les mouliner. Donc vous allez choisir votre programme, hein, velouté, morceaux, velouté au morceau. Vous pouvez faire aussi des compotes, smoothies ou tout simplement mixer. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il va maintenir au chaud. Donc on peut préparer un petit peu à l'avance sa soupe et vous la gardera chaude. Voilà, de toute façon, je pense que les soupes, on va très bientôt s'y mettre. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.